Re-coucou, c'est la suite et la fin de cette review sur le Osho Zen Tarot que j'ai commencé en direct tout à l'heure. Et alors, j'ai reçu un jeu donc de 79 cartes, pas 78, complètement en désordre. Toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures étaient mélangées. Et ça ressemble tellement un peu à un tarot classique que je n'ai pas voulu vous imposer le temps de triage, de classage et de compréhension de l'ordre des cartes. J'y suis enfin arrivée, je vous le présente dans la foulée, je vous le fais en 5 minutes. En fait, il y a 79 cartes dans ce tarot parce que le parti pris a été de faire la reprise des 22 arcanes majeures avec des noms différents, mais qui respectent quand même, malgré tout, les archétypes du tarot classique. Donc, on part du mat pour arriver jusqu'à l'achèvement, la carte 21 qui représente le monde. Et dans ce jeu, il y a une carte supplémentaire qui est une arcane sans chiffre, mais qui représente le chiffre 22 sur le petit fascicule. Et en fait, c'est la carte du maître, ce qui a un sens, puisqu'en fait, la carte zéro, c'est le début du voyage matériel, spirituel, et qui nous invite à arriver à atteindre cet état d'éveil, cet état de maître. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai toutes les cartes, j'en ai même une de plus. Ensuite, nous avons les arcanes mineures qui se séparent en quatre familles. La famille du feu, la maîtrise du feu, exactement, la maîtrise de l'action. Ensuite, la famille de l'eau, la maîtrise des émotions. La famille des nuages, la maîtrise du mental. Là, je m'en souviens même plus. Si. Et la maîtrise du physique avec la famille arc-en-ciel. Donc, vous voyez, j'étais complètement à l'ouest. Et en même temps, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir 79 cartes qui ne sont pas d'un tarot classique et qui arrivent complètement mélangées. Donc, ça, ce n'est pas très cool. Mais du coup, ça m'a obligée à vraiment me mettre dedans pour comprendre. Effectivement, pour chaque série, nous avons les cartes de cours qui sont représentées. Comme ceci, par exemple, pour la série du feu, nous avons le créateur qui représente le roi, le partage qui représente la reine, l'intensité qui représente le cavalier et l'espièglerie qui représente le valet ou le page. Alors vous voyez, quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous ne connaissez pas le jeu, ce n'est pas évident de vous dire que c'est l'intensité et le seul recours que vous ayez. C'est ce petit logo qui représente le cavalier par rapport à celui-ci qui représente le valet. Vous voyez, ça n'est pas le même sens. Et pareil pour ici, le roi se dirige vers le haut, la reine vers le bas, le cavalier vers... Bref, vous avez compris. Et le valet. Ensuite, nous avons les mineurs avec l'as. Et 2, 3, 4 jusqu'à 10. Nous avons des cartes qui sont très belles. Je continue de le dire. Regardez le 6 de feu, comme il est beau avec ce tigre. Très, très, très beau. Voilà. Les cartes sont très, très belles. Enfin, moi, elles me plaisent. Après, vous pouvez ne pas les aimer, bien évidemment. La série de l'eau, on retrouve aussi le roi. La reine, la réceptivité, la confiance, le cavalier, et la compréhension, le valet ou le page. Et puis après, l'as, suivre le courant. Et de très belles cartes d'eau également. Je vous montre celle-ci qui me plaît beaucoup, le rêve. Voilà. Ensuite, nous avons la série des nuages qui représente le mental et la maîtrise du mental, puisque en fait, si je comprends bien au fur et à mesure, ça me vient, nous souhaitons atteindre cet état de maître. Il est long le chemin.
Donc, nous avons ici la série des nuages. Alors, je suis un peu moins fan des couleurs et de la... C'est très, très carré. Je suis un peu moins fan, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai des choses à travailler là-dessus aussi. Donc, nous avons le contrôle pour le roi, la reine, la morale, le cavalier, la lutte et le page, le mental. Voilà. Et ensuite, nous avons l'as du mental, etc., etc. Que je trouvais très beau. C'est la première carte que j'ai ouverte en ouvrant le jeu, qui était quand même pelliculée et dans le désordre. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et à part le Bouddha, l'isolation, alors elle est un petit peu dure, mais elle est très, très parlante. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas un doudou deck, hein. La culpabilité, regardez. La douleur, la renaissance. Et nous avons enfin pour finir la série de l'arc-en-ciel qui représente la maîtrise du physique avec le roi qui a un côté très « je profite de la vie », l'abondance, la reine, l'épanouissement, le cavalier, le ralentissement, donc là, il va falloir que j'aille regarder un petit peu plus près ce qu'ils veulent dire. Et le page, ça me parle beaucoup, l'aventure. Et puis l'as, la plénitude. Très, très belle cette série arc-en-ciel. J'essaye, oula, l'avarice. Là, tout est dedans, hein. Tout est dans le jeu. Vraiment beau. J'aime beaucoup la patience. La banalité, la maturité. Nous sommes le monde. Alors, un peu... Le message est beau, même si la carte me plaît moins. Ok, j'ai compris comment fonctionnait ce jeu. Je vous l'ai présenté. Donc, vous avez une 79e carte qui représente une arcane qui pourrait exister s'il y avait... quelque chose après l'achèvement, après le monde, il y aurait la maîtrise. Mais bien évidemment, si vous connaissez un petit peu le tarot et le voyage de l'âme à travers les lames majeures du tarot de Marseille, notamment, vous voyez bien que c'est un voyage que l'on renouvelle sans cesse et qu'une fois que nous achevons, nous repartons dans un nouveau cycle. Eh bien, je vais prendre le côté positif de cet unboxing qui a été un petit peu compliqué, à savoir que toutes les cartes étaient joyeusement mélangées. Pour moi, ça a été une invitation à me mettre dans le jeu immédiatement, à le comprendre peut-être davantage et avoir envie de faire un tirage avec et de l'explorer rapidement. J'ai essayé de faire court parce que du coup, ça fait deux vidéos pour ce tarot. Il n'y a pas, de hasard. En finale, je dirais quand même qu'il est beau, qu'il est intéressant et que je pense que ça va être une invitation à un ouvrage intérieur psychologique qui va demander de l'honnêteté, de l'intégrité intérieure. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre jeu parce que j'en ai plein encore que je n'ai pas ouvert et plein d'autres à vous présenter que j'ai ouvert également. Là, juste, je me suis enfin décidée à sortir mon 77 magnifique d'Aliaske. Il n'y en a plus, le cherchez pas, il est out of stock. Je vous embrasse, à très bientôt.